à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison. Ça y est, enfin, tout commence aujourd'hui. Nous sommes à Lisbonne, au Portugal, et nous allons passer une semaine ici. Donc, c'est pas deux semaines comme aux États-Unis qu'il y a eu la saison 1, mais une semaine intense, vous allez voir, ça va être énorme. On va sortir un peu de Lisbonne aussi, voilà. Et je suis en compagnie de ma mère que vous avez déjà vue dans d'autres vidéos. Voilà. Allez, on y va, on continue là parce que là on vient juste d'arriver à Lisbonne et donc il faut qu'on trouve justement comment aller à l'hôtel. Ça va être marrant parce que moi je sais pas parler anglais, elle sait pas parler anglais, je sais pas parler portugais, elle sait pas parler portugais et ça a déjà commencé le bordel. Voilà. Donc allez, on y va, c'est parti. Alors, on va aller là. Alors, on doit prendre le terminal. Le terminal, on va jusqu'en bas, ici. Puis après, on va prendre un autre bus pour aller vers par là. Notre hôtel est par ici. Par ici, notre hôtel. Bon, on a trouvé un peu comment faut y aller pour aller à l'hôtel. C'est bien expliqué par contre, c'est vraiment très très bien expliqué. Donc on va voir, par contre on est obligé de prendre deux bus, voilà, donc on est au terminus, voilà. Je pense qu'on pourrait retrouver notre hôtel quelque part par là-bas. Bon, du coup on est parti prendre le métro parce que comme par hasard le bus qu'on voulait prendre, on a attendu quoi 10 minutes et en fait il était en suspens. Donc on va prendre le métro et on va essayer de trouver le chemin qu'il faut parce que là on est déjà perdu. Alors là c'était Fort Clore. On a été à la pharmacie. On ne sait pas parler portugais par anglais non plus, mais on a utilisé le Google Traduction et ça a bien fonctionné. Elle a bien compris, elle a rigolé, mais c'était marrant. Voilà. Bon, ma mère elle parle toujours français devant eux, elle a rien compris, je pense. Mais voilà, c'est marrant et on se fait remarquer partout de toute façon. Et je veux dire quelque chose, les Portugais sont vraiment très gentils. Il y avait deux places, il y avait une personne au milieu. Elle nous a laissé passer pour qu'on soit tous les deux sur le banc. Franchement, depuis qu'on est arrivé, sont vraiment sympas. Bon, on est descendu du bus. On a bien fait parce que sinon on allait louper. On n'est pas loin, on est à 4 minutes de l'hôtel et après on va visiter l'hôtel. Enfin c'est pas un hôtel, c'est un guest house, c'est à peu près pareil. On va visiter après, peut-être ce soir, on va voir, on va d'abord se reposer parce qu'en fait les transports sont fatigants. C'est comme à Paris en fait, il y a trop de monde. Trop de monde, les voitures, ça déboule de partout. Donc il faut faire gaffe. Alors qu'est-ce qu'on pense ? Qu'est-ce que j'en pense? Pour l'instant, on attend le propriétaire de la maison. Ça a l'air pas mal. On a tout à côté, on sait comment. On a vraiment tout, quoi, le tramway, tout. On a failli rater. On a bien fait sortir avant. Ah ouais. Enfin, on est sorti après, mais bon. Heureusement que j'ai eu l'idée de demander au chauffeur, sinon on allait à perpète les oies. Finalement, on était à 2 minutes. Et heureusement, on est descendu, on était à 2 minutes à pied. Bon, voilà les amis, nous sommes arrivés.
au guest house. Donc on est très très bien placé. Donc on va voir, on va visiter ça demain matin. Bon, on va. On va fermer. Il est super sympa. Alors, voici notre hôtel. Ah, guest house. La chambre, franchement assez grande, avec le pont. C'est ça qu'on a vu sur la photo, le, tu sais, et le mur. Ah ouais. Bon, on n'a pas la chambre avec le, canapé. Hein. Tant pis. Hein. Tant pis. Bon, elle est bien. Hein. Mais c'est pas nul. Ouais. Bon, c'est bien. Hop, le placard. Pour ranger nos affaires. Tranquille. Ouais, comment on reste une nuit. Hop. Salut. Mince, on voit son casquette. Les toilettes et la douche. Franchement, c'est sympa. Après, les toilettes Alors là, nous sommes devant le monastère à l'ordre de Saint-Jérôme et on peut la visiter. Donc on va voir peut-être demain ou demain non, on va aller voir la tour, donc ce ne sera pas possible demain. Mais on verra ça là, si on a le temps, on pourra visiter là-dedans. C'est magnifique la nuit par contre, c'est bien allumé. Voilà, donc ça peut être pas mal de visiter. Par contre, je sais pas, parce que normalement dans un monastère, on n'a pas droit de filmer ou photographier. Donc je sais pas si on va pouvoir filmer. Voilà. Et donc l'entrée c'est 12 €. Voilà, de toute façon, à chaque fois qu'on va visiter un lieu, je vais essayer de vous dire le prix de l'entrée. Comme ça, si vous voulez visiter un jour ce monument ou d'autres, et ben vous pourrez y aller. Moi je trouve que c'est vrai, c'est pas cher, hein, 12 €, c'est pas cher. Voilà, la tour qu'on va visiter demain c'est 8 €, donc voilà, donc c'est bien. Regardez, c'est magnifique, magnifique. Ah oui, avec hein? La caméra c'est mieux. Tiens, là, tu me prends en même temps. Ouais, magnifique, voilà. Magnifique, hein. Le monastère. Là, tu me prends pas. Vas-y, je te prends. Vas-y, je te prends. Ah oui. Voilà. Allez. Voilà, donc là on est sur la terrasse, on va aller boire un coup parce qu'on a soif, hein, depuis 13h50 on est à l'aéroport, donc on a soif, on n'a pas bu depuis, donc là on a pris une bière, et les bières pour une large, une grande, hein, 2 €, et pour une moyenne c'est 1 €, c'est vraiment pas cher. Moi je vais prendre un coca, hein. Ouais, un coca. Non, on verra. On verra. Et voilà. Voilà. De toute façon, c'est le premier jour. Hein. Premier jour, c'est l'avion et tout ça. On est crevé. Donc on va. C'est soirée calme. Bon, voilà. On a terminé là pour aujourd'hui.
pour cette vidéo. Bon, c'était rapide parce que voilà, transport, l'avion, etc. Et on a visité un peu la nuit. Franchement, c'est stylé la nuit, j'adore. Donc là, on a pris un petit burger là, de Burger King. Et ce qui est bien, à Burger King ici au Portugal, les boissons sont, on peut prendre en illimité. Voilà, avant on pouvait hein, en France, maintenant on peut plus. Voilà, donc c'est pas mal. Et voilà, donc ouais, pour ceux qui veulent savoir un peu combien j'ai payé l'hôtel, là on passe une nuit et après on va dans un autre hôtel pour rejoindre une personne de l'équipe M2R Life. Voilà, donc la nuit j'ai payé 46 euros, franchement c'est rien. Pour une nuit, voilà, parce que normalement c'est plus cher que ça. Grâce à notre plateforme, c'est vraiment moins cher et c'est vraiment pas mal. En plus, on a la belle vue derrière. Voilà, on a une belle vue. Voilà, donc merci en tous les cas de m'avoir suivi. Alors, mettez-moi un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 du vlog à Lisbonne. Ciao, ciao.